Salut à tous et à toutes, c'est Earthpanda et on se retrouve donc pour un nouvel épisode. Et je devrais juste dire Earth parce que Earthpanda c'est un peu lourd. Vous allez le remarquer dans mes prochaines vidéos, je dirais plutôt Earth que Earthpanda. Aujourd'hui, ça sera surtout une vidéo mise au point que on va faire quelque chose d'intéressant, voilà. Alors. Comme vous le savez peut-être, ben là on a passé Descendant World en ultra hardcore pour que Fred et son ami puissent s'entraîner en ultra hardcore parce que le serveur Ragnablock sera passé en ultra hardcore aussi. Maintenant, moi je vais juste dire un petit mot là-dessus. Bon, comme vous avez normalement, je devais participer à Ragnablock et tout. Je suis en train de refaire une décision sur mon choix. J'ai eu du mal, on va dire, à m'entendre avec. Avec le fondateur du serveur. Donc c'est peut-être juste passager. Peut-être qu'on n'avait pas pris le bon début. Ça sera bien sûr à voir ensemble. Et je vous tiendrai au courant, mais pour le moment, ça veut dire que, bien sûr, il n'y aura pas de vidéo pour le moment sur Ragnamod, ni Ragnablock, enfin, ni Ragnablock, je dis ni Ragnablock, mais Ragnablock n'est même pas encore passé en 1.9. Donc peut-être que d'ici là, les choses seront réglées, mais comme je dis, je ne promets rien. On verra tout ça en temps et lieu. Donc je souhaite juste dire cela. Vous en faites pas, il y aura toujours du Disney World par contre. C'est une petite série qui a pas vraiment sa place dans le planning, mais qui sort quand je veux en fait. Moi j'aime bien quand une série sort quand je veux. Je vous jure, je vais crever si je continue à faire ça. J'ai une petite potion là. Là-bas, je voulais la garder pour le Nether. Pire, j'en puis créer une à Fred. En lui remboursant. Il n'y a pas de problème. Donc oui, ça. Donc on va dire que ça. Donc. Mais je vais arrêter de me chier en bas. Heureusement, j'ai une armure en diamant. Donc ça, c'est vrai que bon, c'est la série qui est un petit peu sur pause en ce moment. Comme je dis, j'en ai aucune idée si elle reprendra un jour. On verra bien. On verra bien. Donc là, c'est sûr que bon, j'ai pas vraiment beaucoup de plans sur Descendant World. J'ai essayé de continuer un peu la série jusqu'à ce que je trouve peut-être
quelque chose de plus pertinent à faire dans Minecraft. Mais sachez que je jouerai toujours sur le serveur Decadent World. C'est un serveur qui est sympa. Je vous rappelle, c'est un serveur privé, donc me demandez pas. Je peux rejoindre, je peux rejoindre. Non. Sinon, en termes de série, j'ai repris pas mal Terra Cube, mais Terra Cube, je crois que ça sera encore diffusé une fois par semaine. C'est juste que j'ai des projets, mais là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé. Et ça peut, en fait, spoiler d'éventuels événements. Que voilà, j'ai pas envie de spoiler là. Vous verrez ça en temps et lieu. Donc c'est sûr que... C'est sûr que ça, vous aurez pas ça tout de suite. Vous aurez un épisode par semaine. Après, éventuellement, on pourra regarder pour multiplier le nombre d'épisodes. On regardera tranquillement. Ne vous en faites pas. Donc moi, je suis en train de décider de terminer le toit de ma maison parce que voilà, ça fait assez longtemps que la maison elle est sans toit. Et je trouve que ce serait une bonne idée de la terminer. Puis après aussi, faudrait que j'essaie de trouver un village. Je sais pas si on en avait trouvé un ou pas. Moi, je crois qu'il y en a un là-bas. Mais je crois qu'il n'y a plus de villageois dedans. Faudrait que je regarde pour un village. Parce que je peux essayer de pêcher, mais en fait, si je veux vraiment obtenir du mending, la meilleure chose serait un échange avec un villageois. Donc, je crois que je vais devoir partir à la conquête, mais d'abord je vais devoir partir dans le Nether, me stuffer un peu en stock de potions, je crois. Donc voilà. Alors là. Je vais juste finir ça. On va mettre un bloc. Et on va descendre d'une manière plus intelligente que l'autre. Nombre de poulets que ma machine elle produit. C'est juste spectaculaire. Et en effet, en effet, en effet, c'est juste spectaculaire. Bon, il y a quoi dans ce coffre? Ok, juste du melon. Donc on va mettre l'escalier. Attendez, c'est assez difficile de placer l'escalier. Ouais, ok, c'est bon. On l'a placé. Je peux ranger personnellement le bois. Attends, je vais garder. Ça peut être pratique. Je vais prendre toute cette sandstone, puis on va remonter sur le toit. Hop. Parce que j'ai jamais vraiment compris comment était configuré.
la brique de laine, mais perso, je crois pas que c'est. Ouais, c'est ça. Ça conserve le même étage. Ici aussi. C'est pas quelque chose de très compliqué. Au moins, on aura fini ce toit. J'aurais fait une petite mise au point sur le changement de planning brutal, comme ça. Puis, s'il y a des changements, ben, bien sûr, vous le saurez. Mais de toute façon, s'il y a vraiment des gros changements, vous le saurez. Je crois dans le point février. Il y a aussi donc la vidéo. La vidéo sans abo, je ne l'oublie pas. C'est juste que c'est énormément de travail parce qu'on va faire une rétrospective en fait, donc je vous dis ce qu'on fait hein. Mais d'une manière un peu spéciale, puis le nombre de vidéos qu'on avait sur la chaîne, j'ai même dû en supprimer parce que beaucoup c'était des annonces, puis je suis comme voilà, maintenant les annonces de live, dès que le live est passé, je les supprime. Ça me fait penser d'une annonce de live que je n'ai pas supprimée, que je vais devoir faire. Et voilà, j'ai fini le toit. Merde, j'ai pas de torche. Moi, je voulais un petit peu éclairer le toit pour éviter qu'il y ait des creepy qui spawnent sur le toit. Je vais chercher ça rapidement. C'est quoi le délire là? J'ai plus de torche, puis je vais devoir en faire. Ça a l'air d'être ça. Un moment quand même hein, que j'ai pas touché 1.9 moi. Hop. Voilà, on va mettre un peu de lumière sur le toit parce que il y a des creepers qui ont tendance à spawner et tout. Et ultra hardcore, c'est pas tellement amusant que ça. On va aller faire notre petit tour dans le Nether. J'espère que la forteresse elle est pas très loin. Et j'espère qu'il y aura pas trop de ghast. Pas trop de ghast. Ouais. Je vais peut-être. C'est un power 4 ou ouais, c'est un power 4. Je vais aller me chercher des flèches. Au cas où il y a des ghasts. Je crois que je peux. Je crois que mon veau. Ouais, mon veau, il est. Mon veau, il est prêt. Pour être mangé. Ça, c'est une usine à pommes, même si l'usine à pommes. Hein. 1.9 n'est pas si rentable. C'est mieux, je crois, d'aller avec des potions. Je crois que j'ai même pas assez d'or de toute façon. Faudra que j'aille miner. Comme je vous dis, ça fait un moment depuis qu'on a fait l'épisode découverte de l'Inde. On va dire, on s'est pas vraiment attaqué. Ça, j'ai à le dire. Je crois.
qu'il y avait une flamme là-dedans, mais comme c'était en bois, ça devait cramer. Bah, en fait, il y a une game rule pour éviter que le feu soit... Ok. Ok, j'ai une... Je sais pas. Faut augmenter ma render distance. Pas mal de quartz. Il y a beaucoup de soulsand. J'aime pas la soulsand, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'entends un ghast. J'entends un ghast. Mmh.
Bridge. Il est là-bas, il est là-bas. L'autre il veut pas venir. L'autre il me fait la gueule. Il me fait totalement la gueule. Voilà, je fais du bridge dans les nether. Je vais vous dire que c'est très dangereux. Et la magie du truc, c'est qu'il faut qu'on essaie de pas se perdre. En tout cas, ça, découverte Nether tranquille. De brûler. On passe très proche de la lave. Bonjour, mais c'est nouveau ça. Bon, il y a le chat qui joue avec la porte dans la salle de bain. Tranquille quoi. Mais tranquille la vie. Les ghasts, mais sont bien corrects. Maintenant, j'ai oublié, le pic peut totalement décider de me pousser dans la lave. Je suis quand même à zéro mort. Je vais être gentil, pic.
compliqué, hein. Gast là-bas. Une boule de feu qui bug. Totalement. Ouais, je crois qu'on va rebrousser chemin. Je crois que je suis passée complètement dans la mauvaise direction. C'était une première découverte du nether. Les ghasts veulent ma peau. J'entends un ghast, mais je sais pas vraiment où il est. S'il y a un gars qui pète les plans de mon pont, c'est pas de ma faute. Là, j'ai traversé.
Ouais. Donc on va se laisser dès qu'on revient dans l'Overworld. Ce sera un épisode assez détente, je veux dire, mais bon, ça fait un petit peu de contenu, puis. Ça me remet. Ça me remet en phase. En phase, ouais. Un chemin plus rapide parce que marcher sur de la sous-sonde merci mais ça me tente pas si un casque qui chute. Salut toi. Ça va avec l'armure que j'ai quand même du Fire Protection 4, donc je prends pas ben de dégâts. Et puis on y va.
je sais, je suis extrêmement silencieuse quand je suis concentrée. Ah, c'est ce que je pensais, il y avait un... Oui, il y avait un slime block ici. Je vais monter. Espérant qu'un ghast me shoot pas et à la place. Merde. Je spawn là. À la place, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai merdouillé. Ah, super, je suis rendue donc à une mort. GG à moi, heureusement dehors il fait jour. Sinon je crois que je serais morte une deuxième fois. C'est un beau fail pour finir l'épisode en tout cas. Ben on va rentrer tranquillement. Aussi, bon, on l'avait montré, je crois, mais maintenant, si vous cassez des buissons, ça donne des sticks. C'est-à-dire que même si vous êtes dans le désert, vous avez au moins des sticks. Puis on a du Dark Oak, on a un autre désert, par contre, nous, on va là-bas. Mange un peu. Et j'ai une genre de tour là-bas. Hein? C'est quoi cette tour? Ah non, je crois que je me rappelle de cette tour. Je crois que c'était Fred, il était perdu. Je sais plus trop quoi. En tout cas. On est rendu donc à notre case départ. Je vais donc, je crois, vous laisser. Et je vais vous dire au revoir en espérant que cet épisode vous a plu. Bon, il est peut-être un peu long là, mais... Voilà. C'était un bel épisode. Tout de même. Nous avons fini le toit de notre maison. Oula, un bug de chunk. Nous sommes allés un peu explorer le Nether, mais nous n'avons rien trouvé. Mais au moins, nous sommes là. Donc, bye bye tout le monde!